Le prix de la dynamique, c'est donc un prix qui est exclusivement dédié aux agriculteurs, qui est distribué à l'échelle départementale, j'ai envie de dire à l'échelle aussi de la Banque Populaire Grand Ouest, puisque chaque département a une agence agriculture. Et il y a aussi une version nationale qui récompense quelques lauréats qui sont présentés au niveau national du groupe Banque Populaire. C'est un prix qui a vocation à saluer des initiatives de différentes catégories. Il y a quatre catégories aujourd'hui qui peuvent être du développement durable, de la transmission, de l'économie. Enfin, il y a un certain nombre de critères qui sont retenus. J'ai envie de dire plusieurs raisons. Parmi les principales, je citerai leur conversion réussie vers le bio. Et puis aussi parce que ce sont des gens qui sont implantés sur leur territoire, qui parlent de développement local, qui travaillent aussi, mais j'ai envie de dire, pour la communauté. Hein, quand on commence à faire des choses en créant un magasin, avec une vision associative pour que différents producteurs s'associent et viennent proposer leurs produits, tout ça, ce sont des critères qui forcément nous intéressaient. On est tout à fait dans une catégorie telle que je l'ai cité tout à l'heure, qui parle aussi d'intégration, de développement durable. Tout ça correspondait parfaitement à l'éthique qu'on veut donner dans le cadre de ce prix de la dynamique. On est surpris et honoré de recevoir ce prix. Il récompense plusieurs années de changement de système. En fait, on a commencé les changements en 2009, où on avait un système intensif classique vendéen. Et petit à petit, on est arrivé à aujourd'hui un système bio, autonome et économe. Donc le projet qu'on a, c'est la création d'un magasin et restaurant de producteurs. Le concept du restaurant, c'est vraiment les producteurs qui vont servir les clients. Et ce que nous, on trouve qu'il manque un peu dans la restauration traditionnelle, c'est le manque d'informations sur la traçabilité, les méthodes d'élevage. Donc c'est ce qu'on veut remettre au cœur de la restauration, en fait. Et en proposant le service directement par les producteurs, les clients du restaurant pourront poser toutes les questions qu'ils veulent sur le bien-être animal et les méthodes d'élevage. Donc on trouvait ça intéressant de mettre ça en place.